Quel est votre nom? Bari Mahmoud. Bari Mahmoud. Vous avez quel âge? Où vous êtes né quand? 1979. 1979, honte. Où? Mahmoud Nobe. Nobe. Quelle est votre profession? Ligéré. Marchand. Marchand. Où vous êtes domicilié? Donc, moi, honte. À Sanoya. Sanoya. Parlez dans le micro. Dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Et au tribunal, on est bien. C'est la cote 874. Allez-y. Ok. Merci. Lundi. C'est le lundi. Ton est ton conseil. Lundi 19, 2019. Nevel 10h, mimi kasou du kaan. Lundi 2019, 9h-10h. Mère à Carrefour Boston. Je suis arrivé jusqu'au Carrefour Boston. Mitayon kul ben meya de open tay mouvement nous ka Boston nous. Hein? Le mouvement de Boston nous jamais. J'ai trouvé il y a mouvement à Boston là-bas. Ok, ben mais il y a aucun stade. Ils ont dit d'aller au stade. Ok, mais de quel âge les mères à Carrière? On a suivi la route jusqu'à Carrière. Mais faut au Djama, ben au à Carrière, la Madina, Kalipong, Hivi, Pelaja, du Djama, fait de ville. Ah, vers le stade, sur la route vers Madina, le stade est plein, il n'achète même pas que les gens passent là-bas. Mais ok, mais au milieu, mais nature, sous Afia. On a requis, on nous a dit de rentrer vers Afia. Mais nature, Afia, mais Ali. Nous avons rentré dans Afia pour ressortir au Kenya. Mais à Carrefour Silverter Bellevue. Arrivé au Carrefour Silverter Bellevue. Mais qui puis là, faut mais y a je suis. Nous avons descendu là-bas avec les groupes, nous sommes partis. Mais allez après le Carrefour Oasis. En partant vers le Carrefour de l'Oasis. Il faut un pick-up pour l'élément de Mouktar Diallo. On s'est rencontré avec les pick-up de Mouktar Diallo. Il dit, ah, retournez-vous, ils sont en train de tirer sur le monde là-bas. Après, il tire. On s'est rencontré. Après, je me suis retourné. Mais Kassoudou. Je suis parti à la maison. Carrière, Kassoudou. Hein? Kassoudou, Carrière. À la maison, à la carrière. Ok, m'tei djadjan. J'ai trouvé ma soeur. J'ai dit djadjan, ma grande soeur. Mais non, t'as pas écouté. J'ai appelé le petit. Mais on ne t'a pas écouté. Où se trouvent les enfants? Où pas écouté, quel stade? Là, les enfants sont partis au stade. Mais ni baba gui. Et babé. Baba gui, baba gui. Hein? Et mon papa. Et le papa, baba mou. Le baba gui, quel stade? Le papa est parti au stade. C'est là. Pourquoi il a été là-bas? Ils ont tué le monde là-bas. Ok, j'ai pris mon téléphone. Mais nous disons sur place plus de 10 appels. 10 appels, je l'ai appelé mon père. Pour appeler mon père. Ça sonne, mais il ne prend pas. Mais ça sonne, mais il ne prenait pas. Après, il y a quelque chose est arrivé à mon père. Parce que l'événement est arrivé. S'il y a un événement en ville ici, il ne m'a pas appelé. Je l'ai appelé. Il n'a pas pris le téléphone. Il n'est pas libre de lui-même. Ok. Un instant, il y a des enfants de voisinage qui sont venus. Ok. Mais d'autres étaient blessés, d'autres avaient les têtes blessées. L'enfant à ma grande sœur est venu. Ok, Minya Tchenamadou, en tout cas, Moustapha. Tchenamadou, où se trouve ton oncle Moustapha? Mon oncle, lui, là, il a changé. Minya Tchenamadou, sens. Comment il a eu la chance? Quand on a eu le cours, il y a eu le cours de l'autoroute.
Il y a quelqu'un qui l'a soulevé du mur du stade, il est tombé, il est parti vers l'autoroute. Bah, minga yo nanga ju na tufi mi ja ba ron goddo felli on le même pour lui. Hein? Quand ko kadi goddo nango fi jawnu gol mo o jam do ya. Une tole mo dum kan felli on non. Donc moi aussi il y a quelqu'un qui avait essayé de me faire monter, il me dit qu'il m'a soulevé, on a tiré sur lui. Le petit a le tum quand ko entraîne le stade. Le petit, lui, il est redescendu dans le stade. Il est resté jusqu'à ce qu'il a repris l'esprit. Après, il a vu comment le monde le sortait. Il y avait une petite porte là-bas, là où le monde sortait. Il a suivi les gens, Dieu l'a sauvé, il est sorti. Il m'a expliqué ça. J'ai dit, maintenant, comme il est 14h, il dit, comme il était 14h, je vais voir les traces de Moussa. Parce que mon papa, le téléphone m'appelle, nous sommes de Bella, j'ai tout dit. Parce que mon papa, lui, le téléphone sonne, il ne prend pas. Mais il me c'est primaire, Madina, il y a pont. Je viens, j'ai trotté là-bas, je suis venu à Madina sous le pont. Les gendarmes chez Baldeboye, ils ont dit non, quelqu'un ne dépasse pas là-bas pour venir au stade. C'est mon jeune frère que je cherchais, c'est pour voir s'il n'est pas là-bas. Il y a un petit qui m'a appelé, il dit, grand frère, viens ici. Il y a ceux qui ont été blessés dans au stade, ils sont dans les cliniques de Dixine ici. Je suis venu dans la clinique de Dixine, j'ai vérifié, je ne l'ai pas trouvé. D'autres sont à la SIG. SIG. Je suis venu à la SIG. J'ai trouvé dans trois cours, mais ils étaient bien gardés. Il y a des gens là-bas. Il y a des gens là-bas. Les pick-up. Non, des gens, là où est le stade. Hein? Ceux qui se sont sauvés du stade. Après mes derniers cours, j'ai eu le téléphone. Quand je n'ai pas vu le petit, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé à la maison. Et donc le petit est arrivé. Voilà, Haron Yaunaki, venez me traduire, il me met okay. Une femme. Parce qu'en sortant, lui, il portait les maillots. Quand il est sorti, il a suivi les corniches, il est parti jusqu'à la maison. J'ai appelé, on a dit qu'il arrivait. Et il était 16h encore, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé le numéro de mon père. Ça a sonné là-bas. Ok, mais il était sous mais là, on le Sankumbaya. Je suis retourné à la maison, je suis venu jusqu'à nouveau de Sankumbaya. Il y a quand même carrière. J'ai remonté vers carrière. Carrière, mais l'eau, non. Hein? Je logeais à carrière. On logeait à l'eau, non. Carrière, mais l'eau, non. On logeait à carrière. Ok, à 17h. À 17h. J'ai repris encore l'appel. Ça ne sonnait pas. Le téléphone ne sonnait plus. De mon papa. Le téléphone à mon père ne sonnait plus. Ok. Je suis revenu à la maison jusqu'au dans les environs de 19h. Les voisins du quartier. Pablo. Hein? Fabio. Pablo. Pablo. Oni. Il dit qu'il a trouvé un vieux qui est couché à la CMS de minière qui ressemble à mon père. Il ne sait pas si c'est lui ou si ce n'est pas lui. C'est moi, les nouvelles, je m'ai parvenu vers 20h. Ok. Minimi yow mi daare ko je dis je vais aller voir gola jangon le to mamoud la mal do autocole mala kalbina
mon ami Mamoudou me dit, j'ai le véhicule, mais je n'ai pas de carburant. Allons-y au Carrefour Boston. Peut-être on peut trouver le carburant au marché noir là-bas pour acheter. Monsieur, 4 litres. Je suis arrivé là-bas, j'ai acheté 4 litres. On a pris son véhicule, on est minière. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la minière. Nous avons garé, nous sommes rentrés au niveau de CMS là-bas. À l'hôpital là, à côté du policier. Non, c'est pas la police, à la minière là-bas. À la minière là-bas, là où se trouve la police. T'as quoi, la police? La minière, l'hôpital, avant de siège de Sellou, il y a un hôpital. Avant d'arriver au siège de Sellou, il y a l'hôpital là-bas. Maintenant, je me libère photo Bengango. Nous sommes rentrés là-bas, je les ai monté la photo à mon père. On dit c'est pas lui qui on a quand même derrière. Non, c'est pas lui qui est là. Mais nous mamie Yakoro. Il faut que je voie ça. Mais elle me voilà maintenant quand même derrière comme au Kubia. Donc j'ai regardé, c'était pas lui, c'était un vieux de Kubia. Mais tu dis que je me suis retourné à la maison. Tu pas que faut pas de nauni de tous les enfants étaient presque malades. OK, veux-tu bimbi? Après le lendemain matin, très matinalement, je suis arrivé à Donka. À l'urgence. Mais l'andilon, voilà les photos. J'ai montré la photo. Ils ont dit non, on n'a pas vu ce vieux là ici. T'as bonne balminawa, les amis, y a étage de commandant, il faut pour m'y aller. Beaucoup de personnes étaient blessées. Je suis monté à l'étage, j'ai fouillé, mais je l'ai pas vu. Mais y a qu'à morgue. J'ai été à la morgue. Bon, je voudrais dire qu'ils n'ont pas accepté. Quand je les ai montré, ils ont dit non, il n'y a pas un vieux ici. C'est les enfants seulement qui sont là. Ok. Natchilon, Miyalti. Hein? Je suis ressorti. Nous sommes embarqués pour aller. Mais Ignacidin. Je suis parti à Ignacidin. Je suis parti trouver une amie infirmière à Donka là-bas, à Yassidin là-bas. Yassidin, oui. Djenab, oui. Elle s'appelle Djenab. Ok, mais elle me faut trouver Djenab, mais elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Ah, Djenab, je n'ai pas vu mon père. Ok, mon balminado, est-ce que tu as dit que tu as dit que ah, les blessés du stade, personne n'est venu admis à Yassidin ici. Mais il y a d'autres corps qui sont venus ici. Donc j'ai dit, bon, je vais aller voir ça. À la morgue. À la morgue, ils n'acceptent pas que les gens rentrent là-bas. Même nous, les docteurs, s'il y a les morts naturels ici maintenant là, ils n'acceptent pas qu'on rentre là-bas. Hein? À la porte de la morgue, c'est les bérets rouges qui étaient là. Minel. Oui, d'accord. Je me suis embarqué là-bas direct pour Alpha Yaya. Il y a d'autres qui ont été pris, ils étaient à Kang Alpha Yaya. Ils ont dit qu'ils ont pris les vieux qu'ils ont envoyés à Kang Alpha Yaya. Je suis venu à Kang Alpha Yaya. Je suis rentré dans la cour. Le premier cours. Dans la première cour. Ok, mais Baba. Je suis rentré avec son oncle là-bas. J'ai dit, maman, je n'ai pas vu mon père. Je sais que ton père n'est pas vu, mais moi aussi, il y a le jeune frère à ma femme qui est là, mais ils n'ont pas accepté que je rentre. J'ai dit, ok, mais continue, je continue jusqu'à la porte. J'ai continué jusqu'à la porte. Je suis rentré. Il dit tu ne rentres pas. J'ai dit non, je n'ai pas vu mon père. On m'a dit de venir. Mais pour dire
On s'est un peu échangé là-bas, on a tiré. Un grand de Gohaini m'a discuté. Un grand avec lequel je discutais. Non. Un grand de Gohaini m'a discuté. Un de mes grands nous a vus en train de discuter. On a dit, mais pour lui. Lui m'a pris comme ça, il m'a tiré. Il m'a tiré. Oui. Il, on n'est pas petit à l'ouga. Les petits viennent là. Tout cela mangeait chez moi. Moi, je n'ai pas vu le jeune frère à mon père, ils n'ont pas accepté que je rentre. Il ne faut pas accepter de foncer, sinon ils vont te faire du mal. Je me suis retourné, ils se trouvaient dans la course, les bouteilles de vin et des casiers seulement. Après, je me suis retourné. Je me suis retourné à la maison. Donc je suis arrivé à la maison. Il se trouvait que les voisins avaient préparé le riz pour mes jeunes frères. Ok, mini. Donc ils ont dit, je les ai dit de manger. Parce que les enfants, ils disent, ah, ils ne peuvent pas manger si je ne mange pas. J'ai approché le riz, j'ai dit, on va manger alors. Donc je les parlais là-bas, on mangeait, mais quand moi je prends le riz là-bas, mais je ne pouvais même pas manger. Quand je prends le poignet, j'envoie jusque là, c'est au point de le. Je dis, ah, comment je peux manger? Mon père est en détention, il est en vie ou quoi? Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas manger. Je reverse ça dans le bol, je rentre à la maison, je pleure. Je trouve les enfants ont mangé, mais ma grande sœur, elle était malade. Le docteur perfusion. Je l'ai appelé docteur pour faire perfusion pour elle. Ok. Mercredi on dit. C'est arrivé jusqu'au mercredi. On a dit, l'autre m'a dit d'aller vérifier au CMS de Cameroun. Je suis arrivé là-bas, je les ai monté la photo du vieux. Lui, il a dit qu'il y a les vieux là-bas. Je ne peux pas t'accompagner dedans, là-bas. Donc, indique-moi le lien. Il est venu jusqu'à côté du port, il m'a indexé. Il s'est retourné. J'ai trouvé deux policiers là-bas. Je suis venu chercher mon père, on me dit qu'il est dedans. Il est là, oui. Mais tu ne rentres pas. Ah, c'est peut-être qu'il n'est pas là, mais s'il est là, je rentre. Je les ai jetés dedans. Nous tous, nous sommes partis tomber dedans. Quand on se soulevait, l'autre commandant était venu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme il n'attend pas la force. Il est rentré ici par la force. Comment parce que non, laissez-les maintenant. Après on l'a il m'a demandé c'est quoi. Et je l'ai montré la photo, c'est mon père, je ne l'ai pas vu. On est au. Il dit le vieux est là. Il est là. Il dit oui. Et je vais payer l'argent. Il n'y a pas de problème. Combien de millions parle là? Je dis, il n'y a pas de problème. Tu veux combien de millions? Mon gars à toi, c'est bon, je vais regarder là-bas. Mais gars à toi, s'il n'est pas là.
J'ai demandé, ceux qui étaient détenus, c'était des jeunes seulement qui étaient dedans. Oui, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, ah, vous m'avez dit qu'il est là, je ne sors pas ici si vous ne le mettez pas. Ah, on s'est accroché là-bas. Après, finalement, on dit, mais toujours, je vais me faire un peu de temps, je vais me faire un peu de temps, je vais me Donc, moi je partais, j'ai dit à mon ami de prendre la route et de Prince et moi je vais prendre l'autre route. L'autoroute, moi Prince. Après, je suis Fotula et Hombo. Je vois avec mon oncle. Voilà, hala badak mot voilà won wa fu hendo do le foti oncle jang e moto je me suis rencontré avec mon oncle en moto ayal mi wa taya dum fu wujiki mais j'étais complètement changé, je ne pouvais même pas marcher. OK, ben etti do ben yemi yaw kan mi aussi fane be me be comme geldi kon kan del police wa a ko penal ben alatu donc je respecte ce qui s'est passé entre nous avec les gens à la police. Non, c'est ils ont menti, il n'est pas là-bas. Nous sommes pris les motos, nous sommes venus jusqu'à l'esplanade. OK, on ni jone me yow men data ken del vestiaire je men dara en cache ma ya be wali to manini. Il a dit de rentrer dans les fouiller dans les vestiaires en cas il n'est pas moi couché là-bas. Mais tay police ben joue dame kale cassia de nous. On a trouvé les policiers qui jouaient dame sous les acacias là-bas. Donc il n'y a rien dedans, mais vous ne rentrez pas aussi. Je les ai montré la photo. Il n'est pas là-bas. Mais il y a quelques pas. On a fait quelques pas. Après un jeune policier dit le détime. Un jeune policier m'a appelé. Le vieux là, il est qui pour toi? Minuko Baba. Il dit c'est mon père. Lui, il fait partie de ceux qui ont trouvé la mort au stade. Il a indiqué son habillement, comment il était habillé. Il avait une chemise trois poches, pantalon noir. Il avait un téléphone Nokia. Au téléphone Nokia Makongo, Golé de Makwa, il était téléphone. Oh, c'est le téléphone, son téléphone Nokia, là, c'est un ami qui l'a. On l'a mis dans l'ambulance, on l'a envoyé vers la ville. J'ai voulu le prendre pour le téléphone, à cause, pour l'affaire du téléphone. Mon oncle m'a dit non, laisse-le. Mais nous sommes revenus à la maison. Donc l'a appelé qu'ils ont détenu à Kang Alfayaya aussi. Avant nous avoir inspecteur de police, nous foutu que quartier mercredi bimbi on adore la police du volant de l'ambéidi. Avant que l'autre policier me dit là, on s'est rencontré avec un inspecteur police dans le quartier là-bas. Ben non, Monsieur Diallo. Le nom de Monsieur Diallo. Au niveau A. Oui, à l'estade là-bas, là où il y a eu des événements, le vieux il a été pris, on l'a mis dans l'ambulance. C'est les deux là qui m'ont dit qu'ils ont que le vieux a eu des problèmes là-bas. Hein? C'était pas ça que moi je voudrais entendre. D'autres ont dit qu'il est détenu à Kang Alpha. Ils ont donné ce programme-là à mon oncle. Et j'ai dit le soir de venir, on va se rencontrer là où on dit Nasrullah. Monsieur Barry.
là, à la mosquée de Nassourla. Monsieur Bari, est-ce que vous avez retrouvé le corps de votre père? Est-ce qu'on y est dans le fourré mappé? Hein? Bon, j'avais retrouvé le corps. Alors expliquez-nous ça. Ah, ouais, comment vous avez retrouvé son corps? Dites-nous ça, comment vous l'avez retrouvé? C'est là-bas où je viens. Allez-y. Bon, sinon je vais me tromper. Allez-y, dites-nous comment vous avez retrouvé le corps de votre père. C'est à Faisal que j'ai retrouvé le corps. Allez-y, expliquez-nous ça. J'ai dit, mais faut-il bien une meilleure chose, Nassourlaï. Le jeudi, on s'est convenu de venir à Nassourlaï. Mais à 19h, nous sommes venus là-bas à 19h. Mais Dieu ne foutre le guet de pays. On a fait la prière de Zor et de la loupe. Et on est à 20h. On a fait la prière de 20h. Mais on a, non, on a associé les deux prières. Mais on a associé les deux prières, c'est-à-dire de 19h et de 20h. Voilà. Mais on a 20h. Je suis resté là-bas jusqu'à 20h. Et de là-bas, ils ont dit à mon oncle, ceux qui étaient à Camp Alfaya, ils ont transféré à Camp Koundara. Je me suis retourné à la maison. Arrivé à la maison. Arrivé à la maison. Ils ont dit qu'ils l'ont annoncé à la télé. Tous ceux qui n'ont pas trouvé leurs parents d'aller à Faisal. Le matin, vendredi, je suis parti à Faisal. Il y avait d'autres corps qu'on avait envoyés. J'ai regardé là-bas, je n'ai pas vu de vieux. Après un instant, un camion était en provenance vers de la ville. Ça, ils ont débarqué certains corps dedans. Ils ont fait descendre les corps. J'ai trouvé le vieux couché. Quelqu'un était là, il était arrêté sur le corps là pour dire que c'était son grand frère. Ah, il faut aller chercher ton grand frère, ça c'est mon père ça. Non, ici, c'est, nous sommes dans la douleur ici des compassions. Ce n'est pas que d'autres prennent des corps qui ne t'appartiennent pas. Bon, vous savez, il a une calvitie ici. Oui. Après, le docteur a dit tout foulard au corps. J'ai dit au docteur d'enlever le foulard sur le corps. Dès qu'il a enlevé, j'ai vu que c'était. C'est mon papa après. Ouais. Donc j'ai dit ça après, c'est mon père. Ouais, il est parti. Après, la famille nous a aidés, on a pris le corps. On a envoyé à la carrière. On a pris le corps là-bas, on l'a enterré. L'audience est suspendue. Ministère public des questions. Monsieur Mamoudou Bari, président. Vous confirmez que c'est à l'esplanade de la grande mosquée Faisal que vous avez retrouvé le corps de votre père? Oui, c'est à dire que vous avez retrouvé le corps de votre père. Oui. Est-ce qu'en vous remettant le corps, on vous avait remis un acte, un papier quelconque?
ene fendo be joni ta won fure be jonno on kaydi go noko adresse am bilande numéro de téléphone indiande be windi e kaydi. Ah, c'est mon adresse et numéro de téléphone qu'ils ont pris sur papier. Puisque c'est vous-même qui êtes allé pour faire la sépulture de votre père, est-ce que vous aviez vu des traces de balles ou un service quelconque sur le corps de votre père? Le tufa. Ici c'était percé. Tufa. Et au niveau ici aussi c'était percé. Bien que vous ne soyez pas médecin, est-ce que les traces dont vous parlez, ça faisait croire que c'était par balle ou bien par couteau ou bien par un autre agent contondant? Fikala ina docteur yo. Batte ko ina doko no wawo na wawa sifande ma ko kural ka ko labi hondum e mum nimmi wawa no justifie de dun ko selo medecin legal un certificat de sen ko men dikon un nimmi indi be windi ton be ko fellira be alma fi. Donc moi je n'ai pas pu déceler ça. Certificat légal de médecine légale, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il a été tiré par arme à feu. Justement, parlant de ce certificat de décès dont vous parlez, vous l'avez reçu quand et où? Un certificat de décès. Quand tu m'as éhonto, rien de nos dards. Ko inyasidin. Inyasidin. À médecine légale. À la médecine légale. À quel moment l'aviez-vous reçu? Quand tu m'as rien de nos dards. Le même jour que vous avez récupéré le même jour. C'est pas le même jour. Atino wano. Deux semaines à trois semaines après, mais on a fait mon meilleur landeton. On m'a tiré l'andouille. Deux semaines, trois semaines, ouais, c'est moi-même qui est parti demander. Dans le dit certificat médical, enfin dans l'acte de décès, il est indiqué qu'il est mort par balle, c'est ça? Oui. Certificat décès, quand il dit Johnny on acte de décès, ou qu'on coura le wonico woni sabudum. Mais quand il est tué par arme à feu. Arme à feu. Par arme à feu. Mes condoléances et bon courage. Merci. Votre papa, il est décédé, il avait quel âge? Il est 60 ans. 60 ans. 60 ans. Il a laissé derrière lui des enfants et... 9 enfants. 9 enfants. 2 femmes. Toutes mes condoléances. Merci. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Comme Mahmoud Bari. Non, non, votre papa. Son papa, comment son il s'appelait? S'appelle... Kerno Mikaïl Bari. Kerno Mikaïl Bari. D'accord. Et vous dites que les militaires avaient effectivement pris d'assaut la morgue. Oh, Harisori, ben, la morgue, non? Morgue, il y a un million d'angles, il y a un programme, il y a un. Ouais, quand je suis parti pour demander à la morgue de Niasdin, il y avait les militaires là-bas. Ils étaient à la morgue de Niasdin. Oui. Oui. Ils interdisaient l'accès. Personne ne rentrait. D'accord. Et vous étiez également au camp Alpha Yaya. On y a un camp Alpha Yaya. Il y a un camp Alpha Yaya. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'atmosphère qui y régnait? Quand je suis venu à Kalfaya, donc dans la cour, il y avait des bouteilles de bière partout. Quand je suis venu à Kalfaya,
La première cour, il y avait des militaires qui se promenaient, on est parti pour la deuxième cour, mais ils n'ont pas accepté. D'accord. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui avaient perdu la vie ce jour-là? Non, ça, le corps n'a pas été retrouvé. Ok, Dieu, minira wa mengo kai onkadi beido. Bon, une jeune sœur aussi. Onkadi nangano, onkadi selon programme on mode mak nuduma wete bande Dieu be artirimo kanko benga walindiano même jour. Selon son mari, on l'a appelé le vendredi, il a été ressuscité avec mon père. Debbo beido. Une nourrice. Merci, Monsieur le Président. La défense. Parti civil. Vous pouvez disposer, monsieur. Merci.